Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, une nouvelle vidéo sur un bâtiment du KVK, les ruines anciennes, tout comme je vous l'avais fait pour la forteresse croisée. Donc je vous mets le lien en suggestion en haut. Si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et des vidéos. Et surtout à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez ces vidéos. Les ruines anciennes donc, un bâtiment qui est stratégique puisque non seulement lors du KVK c'est un événement qui va vous rapporter une récompense, il faut tuer 10 espions, donc les espions vont popper dans ces ruines anciennes et sortir, et en plus il va vous rapporter des points d'honneur. Vous voyez, on est vraiment beaucoup à vouloir le faire. Au-delà des 10 espions, on veut vraiment les points d'honneur. Lorsque vous êtes dans cette zone là, vous allez récupérer 15 points d'honneur par minute, sachant que ça va durer une heure à chaque fois. Deux fois par jour, 15 points d'honneur par minute, soit 900 points durant l'heure où ça va être ouvert. Donc c'est vraiment très rentable. Si vous regardez qu'il reste un peu plus de 30 jours de KVK, vous allez pouvoir avoir 27 000 points d'honneur juste en ayant une troupe sur la zone une fois par jour. Si vous l'avez deux fois, le double, c'est vraiment énorme et ça vous aide vraiment à aller jusqu'au plafond maximum du nombre de points d'honneur individuels, puisque je vous rappelle qu'il faut en obtenir 80 000 pour la récompense. Si j'ai bonne mémoire, c'est 80 000 pour la récompense maximum. Donc vraiment, c'est très intéressant. Avant de parler davantage des points d'honneur, là, vous voyez, on est extrêmement nombreux à vouloir faire les espions, puisqu'on était tous, bien évidemment, à vouloir avoir la récompense. Donc, il faut vraiment s'organiser quand c'est comme ça. Si vous êtes avec votre alliance et que vous n'avez pas de stratégie, ça va être le bordel et vous allez tous taper dans tous les sens. Là, ça ouvre dans 50 secondes. Il faut vraiment avoir un certain ordre de lancement et vous allez voir, malgré notre rigueur, ça va être un peu le bordel. La stratégie est simple. Les espions vont popper de manière aléatoire. Il faut vraiment que vous vous mettiez tous dans un coin. Nous, on a décidé en haut à droite, au nord-est, et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire les espions. Comme ça, tout le monde va pouvoir taper un maximum d'espions. Donc, la stratégie numéro 1, vous avez cette stratégie-là, vous vous mettez dans un coin, vous choisissez lequel et vous tournez dans un sens, tous comme ça. Ensuite, vous amenez tous bien évidemment 5 troupes, car le nombre de troupes, plus vous avez de troupes, chaque troupe qui tape un espion, même si elles tapent toutes le même, ça vous fait vos points et vous aurez vos 10. Ça, c'est pour la partie espion. Vous allez voir là dans quelques secondes, la bulle va partir et tac, on va récupérer les ruines anciennes, elles vont être focales. Je suis passé en graphisme diminué parce que ça commençait vraiment à laguer et surtout, j'avais besoin de voir les espions. Et si je ne suis pas en graphisme diminué, je ne pouvais pas cliquer dessus tout simplement, je cliquais toujours sur une troupe. Donc voilà, donc là la difficulté, c'est réussir à cliquer dessus. Je clique dessus, ça tape l'espion et je vais faire mon quota d'espion. Il n'y a pas de problème, vous voyez, on reste quand même tous bien dans une zone. Mais malgré tout, il y a quelques petits rebelles en bas qui commencent à taper les espions. C'est dommage parce que quand on va arriver et qu'on va descendre, malheureusement, ils auront déjà été tués. Mais c'est pas grave, on a une heure. Les espions vont popper toutes les 600 secondes. Donc toutes les 600 secondes, il y a un pack d'espions qui pop. Donc on aura 7 cycles au total, sachant que le dernier cycle, c'est un boss. Donc le boss ne rapporte pas de points pour les espions. Il n'est pas très dur à battre, hein. Ça reste vraiment, vraiment simple, surtout quand vous avez toute votre alliance qui se mobilise. Donc les espions, une fois que vous avez fait vos 10, vous retirez toutes vos troupes de cette zone là sauf une. Pourquoi sauf une? Dans le précédent KVK, avant que ça soit patché, quand vous aviez 5 troupes, c'était vraiment top, vous aviez 5 fois 15 points par minute. Donc vous remplissez de points très facilement, très rapidement. Ça a été patché. Maintenant, il n'y a qu'une seule troupe qui vous rapporte des points. Donc, une fois que vous avez vos 10 espions, ça ne sert plus à rien, vous voyez. Là, il y a encore 58 minutes et 517 secondes avant le repop. Une fois que vous avez des espions, une fois que vous les avez, vous pouvez donc retirer toutes vos troupes. Comme ça, vous ne gênez plus vos guildmates. Vous avez juste votre troupe qui vous permet de rapporter des points. Et puis, vous attendez que l'heure s'écoule tranquillement, sans problème. Et vous continuez de marquer vos points. Il est vraiment important de suivre les cycles de cette ruine et de préférence de la posséder. Pourquoi? Parce que les 80 000 points d'honneur, c'est quand même un objectif qui reste assez élevé, assez dur à obtenir. Et quand vous êtes prédominant, quand vous maîtrisez votre zone 5, il n'est pas forcément sûr pour vous d'avoir la zone 6 et la zone 7, qui sont des zones qui vont rapporter aussi énormément de points d'honneur avec l'attaque des barbares de niveau 40, l'attaque des forts de niveau 9 et 10. Donc vraiment, cette zone-là, si vous l'avez, il faut vraiment que vous fassiez un maximum de points. Les ruines, c'est toutes les 16 heures qu'elles s'ouvrent pendant une heure. Donc potentiellement, deux fois par jour, vous allez pouvoir faire
15 points par minute pendant une heure, soit 900 points. Donc même si vous le faites qu'une fois par jour, parce qu'il y a un des deux horaires qui peut être compliqué pour vous, et ben vous allez pouvoir obtenir sur les 30 jours et quelques qui restent de KVK autour des 30 000 points d'honneur. Et c'est vraiment un support et un plus très confortable, parce qu'encore une fois, aller chercher les récompenses maximum, ça reste en points d'honneur, ça reste quand même assez compliqué, ça reste challengeant. Ne laissez pas de troupes AFK sur cette zone là, je vous le déconseille, parce qu'en plein KE, sauf si vous avez vraiment des bonnes alliances avec toutes les guildes, les alliances qui sont autour de vous. Sinon, là, c'était pas AFK dans cette zone-là, car vous allez vous faire décimer. Moi-même, sur le précédent KVK, j'ai été décimé pendant le kill event. Des dizaines de troupes qui stagnaient ici. C'était des points gratuits. Les ruines étaient fermées, donc ils avaient aucun intérêt à être là. Pourtant, ils laissaient leurs troupes pour faire des points. Et vous êtes vraiment des cibles et des proies faciles. Donc, ne restez pas AFK sur cette zone-là. Essayez au maximum d'enlever vos troupes et de les remettre une heure avant et de les enlever une heure après. Ça va vous garantir un maximum de points. Donc vous voyez, les ruines, ça reste quelque chose d'assez simple si encore une fois vous possédez la zone 5. Il faut juste deux choses: s'organiser bien pour l'event des espions, pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'alterner si vous êtes plusieurs alliances sur le terrain. Et dans un second temps, ce qu'il faut, c'est savoir que ça sert à rien de laisser vos 5 troupes ici. Donc récupérez vos 4 troupes, laissez une seule troupe pour faire des points, et après, vous, comme ça, vous maximiserez vos chances de non seulement d'obtenir des points, mais en plus ça sécurise, parce qu'avant, quand vous aviez 5 troupes, si vous étiez tué les 5, vous remplissiez vos hôpitaux. Voilà les ruines anciennes, c'est vraiment un bâtiment stratégique en termes de nombre de points d'honneur. Donc prenez le temps d'y aller. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment importantes sur les mécanismes de jeu. Faire les gardiens, qui sont vraiment quelque chose qui coûte pas de PA et qui rapporte vraiment beaucoup d'XP, c'est vraiment intéressant sur le KVK. Après, ça reste compliqué car il faut être disponible en journée ou la nuit. Donc vous pouvez avoir des horaires qui ne sont pas en adéquation avec ça. Donc c'est difficile de le faire. Là, vous pouvez essayer de vous organiser pour une heure avant, deux heures avant, lancer une troupe. Il y a un petit risque toujours de vous faire killer votre troupe, mais quand même, vous la lancez, vous la récupérez après, et ça vous permet d'être présent sur le spot. Si vous êtes nombreux, de toute façon, les espions qui vont pop, ils seront automatiquement tapés par les troupes aux alentours, qui viendront là pour les faire, bien évidemment. Donc ça vous permet de vous assurer des points et d'avoir une certaine tranquillité quand même, grâce à la présence de vos guildmates. Vous l'avez entendu, la petite musique tin-tin-tin, c'est la petite musique qui indique que les ruines sont finies. C'est le seul bâtiment qui a cette musique à ma connaissance, hein. C'est vraiment un petit son spécifique. Ça veut dire qu'elles sont fermées, les objectifs ont été remplis, donc tout est réglé. Donc on est parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ça fait très plaisir et ça aide bien le contenu de la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la cloche également. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. We'll be right back.